Change no fucking blouse up. Bitch, I make it rain, y'all. You did that. They won't know a thing about you. You still that. Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Warverse Concept pour la vidéo. J'espère que vous allez bien. Comment ça va, nickel? Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment cabrer sans les mains sur GTA 5 Online. Ce sera pas longtemps, c'est juste, je pense que ça c'est plus pour prendre des photos. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous mettrai des petites photos que j'ai prises. Justement, après, on se retrouvera en mode histoire pour le Rockstar Editor pour que je vous montre comment ça fait et comment justement cabrer à une main pour qu'on vous voyez surtout. Voilà. C'est plus ça. Alors c'est très simple, faudra aller dans le pavé tactile et créer un club de motards. Quand vous aurez fait ça, voilà, moi le style de conduite est déjà détendu. Si vous voulez pas détendu, vous allez dans gérer le club. Et là vous. Et là style de conduite détendu. Voilà, faut que ça soit en détendu. Et quand ça sera en détendu, normalement le personnage va lâcher la main. Voilà. Comme ça. Quand ça c'est fait, vous allez aller dans vos armes et prendre une arme de corps à corps. Par exemple, je vais prendre par exemple la hachette. Dès que j'ai pris la hachette, je vais commencer. Ça marche aussi avec les motos, hein, parce que à la fin de la vidéo, je vous mettrai des passages en moto et en quad. Et je vous montrerai. Regardez, là vous attendez, dès qu'il, là je vais lever, il va lâcher et là, hop là, vous avez vu? Là on n'a pas l'impression qu'il a lâché les deux mains. Après on va se retrouver au Rockstar Editor. Je vais enregistrer, vous allez voir, regardez. Je vais enregistrer. Voilà, j'enregistre. Voilà, j'ai enregistré, j'attends juste quelques secondes pour que ça fasse 3 secondes. Voilà, là j'ai enregistré et on va se retrouver au Rockstar Editor. Et voilà, on se retrouve au Rockstar Editor. Donc on va prendre la dernière vidéo qu'on a fait. C'est parti. Modifier. Tac. Le petit chargement de la séquence. Quand ça va être fait, voilà, il y aura ça. Et on va apprendre au bon moment qu'on fait justement la roue. Donc, vous allez reculer. Attendez, pas aller trop loin non plus. Parce que... Voilà. Voilà. Quand c'est comme ça, vous allez faire... Non, vous allez faire X, pardon. X, caméra. Caméra libre, modifier la caméra. Et voilà. Et là, par exemple, vous pouvez prendre des belles photos. Par exemple, regardez, vous allez faire L1, zoomer. Voilà, il y a le soleil, mais hop là. Vous voyez, faire plein de belles photos comme ça. Bah là, c'est un exemple. Hein. Je l'ai pas vraiment bien fait, mais c'est un exemple, comme je vous ai dit. C'est vraiment un exemple. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et c'est ça qui est justement qui est classe pour cette manipulation. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et on va se retrouver juste après pour que je vous montre à la fin, je vais vous montrer là ce que j'ai fait comme photo. À tout à l'heure, ciao ciao. Temps à faller pour de la monnaie, on ne tire pas sur les mollets. Regardez là sans marolé, 2 kilos de pur dans le colis. Rallis, litron.